Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce vendredi 14 janvier 2022. Covid-19 face à la hausse des cas. Ouattara exhorte les Ivoiriens à se faire vacciner. Affiche Fraternité Matin à sa une. En effet, ce jeudi, le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. Le journal gouvernemental vous propose un compte-rendu et les décisions prises lors de cette rencontre. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakougitayu, était hier face aux élus, aux délégués, aux responsables de l'UFPDCI et de la JPDCI. Kakougitayu pose deux sérieux problèmes de la nation, nous dit le Nouveau Réveil à sa une. Au cours de cette rencontre, des nouveaux membres du bureau politique ont été nommés. Retrouvez également dans le quotidien les consignes de Kakougitayu aux élus et cadres du PDCI RDA. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Immersion dans l'univers des femmes vigiles, peut-on lire à la une du journal Le Sursaut. Des révélations inédites sur ce qu'elles subissent, comment elles concilient ce travail avec leur vie de famille. Des hommes, des patrons de société jugent les Amazones en jaune. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et bon week-end à toutes et à tous.